Salut tout le monde, c'est Brocorse, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de No More Heroes. Donc sans plus attendre, c'est parti direct. Alors. This is Diane from Beefhead Videos, just calling to let you know that the video you reserved is here. Title is How to Please a Woman in Bed 101 Part 3. Oh, one of the girls here said that you might need a new pillow cover for this one, you know, just for protection. Thank you. Congratulations, Mr. Touchdown. Your registration for the 7th UAA rank is now complete. As always, we have faxed you some information about the rankings in case you wish to continue your ascent. Please transfer the money into the designated account as soon as possible. Thank you, and have a nice day. Ok. Donc là, je pense qu'il va falloir qu'on se fasse du blé. 300 000. Et je crois qu'on n'a pas beaucoup de paix sur ça. Alors, je vais regarder un truc vite fait. Voilà, j'ai récupéré une cassette l'autre fois. Parfait. Il était temps. Allez, on va sortir, on va aller se faire un peu de pognon. Ok. Au secours, laissez-moi partir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me faire du pognon. Je vais essayer de me faire beaucoup plus de pognon que nécessaire. Je vais essayer d'augmenter mon arme, je vais essayer de faire de l'entraînement. Histoire d'un peu faire monter le niveau du personnage, si vous voyez ce que je veux dire. Alors on va commencer par le premier job, bien sûr. C'est vrai qu'il y a des bouboules, mais les bouboules je les ferai plus tard, vous savez quoi? Les fameuses bouboules. Les bouboules et la boubouche, si vous avez la référence, dites-le moi dans les commentaires. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui l'ait. Ah, je suis parti trop loin. Petit dérapage. Enfin petit. Calme-toi. Le dernier, tu n'as pas encore maîtrisé le secret des premiers, ce n'est pas mal. Le dieu des premiers sourire aux hommes qui travaillent fort. Le job d'aujourd'hui a été inscrit sur le tableau. En fait, il met toujours le même truc, lui. Alors, tout ça c'est fait. On va donc passer sur le quatrième. Remplis les voitures d'essence. Ok. Donc vous connaissez le concept, hein. Je vais faire un boulot à la con qui va me mener à un assassinat qui là me rapportera beaucoup de pognon, théoriquement. Ok. Ça manque de tremplin dans cette ville. Oh, mais il est juste là. Doucement, doucement, doucement. Bonjour monsieur. Les règles implicites de Santa Destroy imposent la persévérance. Celle-ci mène à l'argent qui à son tour mène à la richesse.
Le monde restera à jamais fermé à ceux qui ne se préservent pas. Oui, c'est ça, préserve pas. Le dieu de l'essence est cruel. Perds ta persévérance et tu brûleras. Voilà ce que signifie la persévérance. Alors au travail. Ok. Début de la station d'essence. Appuie sur le bouton B pour faire le plein. Et surtout de mettre juste la bonne quantité. 3, 2, 1, 0. Ah, d'accord. Faut maintenir B. Faut mettre un peu plus. Je me demande ce qui se passe si j'en mets trop. J'ai pas envie de le faire, mais je me demande. Yes. Sweet. Si c'est 2000 par voiture comme ce que je me semble avoir lu, c'est... je vais me faire des couilles énormes. Énorme. Ah, dommage. Yes. Yes. Sweet. Yes. Bon, ça se passe bien jusqu'ici. Sweet. 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 Yes. Alors, est-ce que j'ai le temps d'en faire une dernière? Oui. Pas mal. Ouais, c'est très bien. Et toi, le paumé? J'ai un autre boulot pour toi. Un truc un peu plus louche, peut-être, mais un boulot est un boulot. J'ai envoyé un mot à ton sujet à mon associé. Pas facile de devenir premier. Pas facile du tout même. Alors bouge-toi en selle. Ouais. Ah. Hello, Travis. Salut. J'ai plein de missions en fait, hein, où je pourrais me faire plein de blé. Thank you.
C'est parti. May you find your upper part? Allez, go, go, go. Ah, si c'est le truc où il faut taper dans la balle, la dernière fois j'ai pas réussi. Début de la mission. Ah, c'est ça. Hein. Faut que j'arrive cette fois. Très bien. Terrible. Pas terrible tout ça. Faut que j'aille reprendre un job. Hein. Ben recule. Non mais. Travis, welcome. Allez, c'est parti. On va voir si ça sera un peu mieux ça. May you find your upper part? Merci madame. Pardon. Même avec le turbo, on peut déraper. Voilà. C'est parti. J'ai une cible.
super canon. Ok. $50,000 à la poche, ça se prend. C'était rapide. Et je suis pas loin d'avoir ce qu'il faut. Sauf que... moi, ce que je veux... c'est m'acheter des trucs. Tirez-vous les flics! Je m'en fous un peu. Pour l'instant, en tout cas. Ça, c'est le dojo. On va aller s'entraîner. Qui va encore me demander de me mettre tout nu. Nous allons avoir la réponse dans quelques secondes. I know. You want that, right? Ouais, il me dit exactement les mêmes trucs que l'autre fois. Alors, voyons voir. Ouais, va falloir spammer. Allez, c'est parti. C'est long, une minute à spammer. Allez, Travis, bouge ton cul. C'est dur. Il a de plus en plus du mal, on dirait. C'est rigolo. Allez, pousse. Bon, ça c'est easy. Et il n'y a plus rien, malheureusement, déjà. Training is not over. Je m'en doute, mon pote. Ensuite... derrière, il y a le bar du gars. Le bar, je m'en fous. On va aller voir la meuf qui augmente le sabre. C'est quoi déjà ce symbole? De la viande? Ah non, c'est les films, ok. Ouais, peut-être qu'il y a des trucs en bas, oui. Travis, yo. You couldn't come over at a better time, huh? You're not gonna believe your eyes. Ok. A plus. Come back again.
En fait, faudrait que je pense à venir les voir entre chaque mission. Parce que de toute évidence, ils vont m'aider à devenir plus fort au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que tu as? Mais est-ce qu'il est mieux que le mien? C'est quoi on veut lui prendre? Merci. C'est cher, mais je m'en fous. Ok, t'as plus rien, on est d'accord. You otaku. Bon, là, je suis bon pour refaire des jobs. Je me dis qu'il y a un trésor ici. Attendez, hein, je regarde vite fait. Ben, je vois rien. Ça vibre, mais comment je le récupère? Ah. Voilà qui est intéressant. Je me suis fait combien là? Pas fait gaffe. Je crois que je me suis fait quelque chose comme 10 000. Hein. Ce qui est plutôt pas mal. Bah vas-y, traverse. On a les maniquets encore. Hein. Je vais regarder combien je me fais. Donc j'ai 14 000 et quelques. Hein. C'est où? C'est là? Ça vibre ici pourtant. Ouais, ouais, je me fais... Non, je me fais pas 10 000. Je me fais 1000 à peu près. Ok. Je vais aller me faire aussi un camp où il y a des ennemis. Vous voyez les M sur la map. Ils sont dans un endroit déjà visité où j'ai claqué des ennemis. Je voudrais savoir si ça me rapporte du fric, combien ça me rapporte. Ah bah je vais quand même la retester un coup, faut pas déconner. Je peux pas? Ah si. J'ai peur. J'ai pas envie de perdre mon temps et de devoir la refaire 1000 fois pour gagner un tout petit peu de fric. Je vais en faire une autre. Allez, grimpe.
Je ne sais pas si c'est à cause de l'arme, mais j'ai l'impression que ses combos sont différents. Échec ? Allô ? Ah, fallait pas se faire toucher ici aussi. Très bien, très bien. Je vais quand même la refaire celle-là parce qu'elle me semble un peu plus accessible. Oh. Évidemment. Bon, ça m'a saoulé. À votre avis, je peux sauter ça. On essaye ou pas? On peut bien essayer à un moment, non? Ah non, on peut pas. Oh, je reprends chez moi. Incroyable. Bon, après, la tête de mort est juste à côté, donc c'est bien. Salut, file-moi un job. May you find your overpart? Merci, madame. Alors. Three, two, one.
Go! Go! Die! There he is! Go! Die! Go! Go! Hey, he's over here! Go! Go! Allez, allez! Allez! Go! 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 He's over here! What the hell? Okay. $60,000. Nice. À rapporter celle-là. Mais bon, il me manque encore 100 000. Allez, on va vite reprendre une mission. Merde, je me suis trompé. Évidemment. Tout se ressemble dans ce patelin. Alors, redonne-moi une mission, s'il te plaît. Hello, Travis. $90,000. C'est parti. May you find your overpass? Merci. Je vais faire mon possible. C'est un poteau. Ouais, elle est bien grave. Yep. On va faire le ménage dans le métro. Nice. Go! Go! Yeah. You just so sweet!
Très bien. Et je pense qu'avec les kills que j'ai fait sur chacun d'eux, les pièces que j'ai ramassées, je dois avoir plus que la somme demandée, la somme requise. On va voir ça. Pas du tout. Si, tout à fait. Ouais. Bah c'est parfait. Bah évidemment, ce sera pour le prochain épisode. Ça c'est sûr. Donc c'est déjà aller poser les pognons à la banque. L'épisode est déjà assez long comme ça. Parfait, et on a plus de pesos.
À chaque fois, on se ruine pour ses frais d'inscription. On va retourner à l'hôtel qui est juste à côté. Et on va les sauvegarder tranquille, évidemment. Allez, descend. Travis, hello? I am at the beach. Are you coming? Not like I am waiting for you or anything. Le prochain épisode, ça sera direction la plage. Mais donc, pour cet épisode 8, ça sera tout. On se retrouvera donc pour l'épisode 9 de No More Heroes dès demain. C'était Brocorse. Je vous dis à plus.